Culture. Alors Linda, ça, tout, petit à petit ça se remet en, en place, tout doucement, en, on reprend un rythme un peu plus voilà, normal, avec si des rendez-vous qui vont arriver. Ça se remet en place, ça s'installe, ça se, y a la rentrée, donc... un nouveau rythme là. Un nouveau rythme, donc pas mal de plans de sortie qui vont se faire. Là, on reste quand même dans une période un peu intermédiaire entre les vacances et puis les prémices de la rentrée, donc on est un peu entre les deux. Mais cela n'empêche que nous avons des rencontres, des signatures de livres, le rendez-vous de ce week-end par exemple va être aussi un rendez-vous où il va y avoir pas mal de rendez-vous liés au monde de l'ivresque, et puis nous aurons également pas mal d'expositions d'art plastique. Alors là, vraiment, je vous invite à y aller, à découvrir aussi nos artistes, que ce soit ici au niveau de la capitale. Il y a eu aussi pas mal de rendez-vous liés à Al-Mawlid Nabawi Sharif, donc les expositions durent encore, telles que la Galerie Kounouz, telles que Caravansérail et tant d'autres qui aussi ont aménagé donc, une exposition à l'occasion du Mawlid Nabawi. Et puis vous avez aussi ce rendez-vous de ce samedi chez Guest avec un nombre important d'hommages rendus au grand peintre algérien. Et ça va être quelque chose de magnifique, vraiment. C'est un peu le point fort. Et certainement tout à l'heure ou alors demain, on reviendra aussi sur d'autres rendez-vous culturels qui commence à s'installer au fur et à mesure, notamment avec cette rentrée scolaire et puis la grille de la chaîne 3. Voilà, donc, et surtout, tenez-vous informés voilà, sur tous ces rendez-vous, sur le programme, voilà, si vous voulez en profiter au maximum. Merci. Merci à vous, Linda. À demain.